coucou les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait du bon Danicula. On va lancer du Boquita Nicula. J'ai recommencé ma sauvegarde. Comme ça, on va vraiment commencer ensemble. Un petit jeu pointe et clic dont j'aime beaucoup la musique. Allez, je lance le jeu. C'est parti. Je vais faire les réglages. Pour qu'on ait un son pas trop fort. Hop. Voilà. C'est simplement quand ils font un fait. Alors. Est-ce qu'il y a des petits copains qui nous rejoignent ou pas? Y a-t-il des gens qui nous rejoignent? A priori pas. A priori pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai. La musique assez fort, ça a l'air d'être bon. Ah, si! Un petit camarade. Bienvenue! Bienvenue! Alors, ce soir, le chat est plutôt inactif, mais c'est pas grave. C'est lancé. T'inquiète, c'est pas grave. Hein. Je demande pas particulièrement de l'animation, t'en fais pas. C'est juste que si tu veux discuter avec des gens, ben c'est peut-être pas ici que tu auras le plus l'occasion de le faire. Hop. Alors ce jeu. Ah mais c'est classique ça, de se dire ah oui je vais lancer le stream pour juste avoir un petit son d'ambiance et finalement ne faire que regarder. Alors du coup Botanicula c'est un petit point and click que j'aime bien, que j'ai déjà fini une fois. Et que je trouve super mignon. La graine a beaucoup de volonté. Ce jeu est vraiment, vraiment super chouette. Il n'est pas très connu, mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, l'espèce de châtaigne, là, qui tombe sur la graine lui tombe dessus, et elle a une vision. Qui lui explique qu'elle doit replanter la graine.
pour refaire pousser un nouvel arbre. Je sais pas, ça... Du coup, elle appelle ses potes, qui font partie des personnes qui habitent dans l'arbre. Et elle lui explique ce qui se passe. Et tous les petits bruits et tout sont trop mignons. Hop, donc du coup, là, ce qu'on a vu, c'est qu'il nous manque les petites plumes, là. Voilà. Elle n'arrive pas à décoller. Donc on va retourner pour chercher les petites plumes. Alors... Ah oui, il y a plein de trucs. Sur lesquels cliquer. Voilà, donc du coup là j'ai récupéré une carte à collectionner qui représente une des créatures qu'on peut trouver dans le monde. Et du coup il y a plein de trucs comme ça. Voilà, par exemple. Machin comme ça, et je trouve ça trop cool. C'est vraiment un jeu du calme et de la détente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs ici? Allez, on va voyager. Ah, les petites fleurs. Je trouve ce truc vraiment beaucoup trop bien. Alors du coup, on va continuer par là. Ah oui, c'est marrant, hein. Alors du coup, là, on en voit une de plume. Hein. Elle est là. Le problème, c'est que... Voilà, on a des espèces d'oignons pourris, là, qui ont l'air méchants comme tout. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est leur envoyer un des membres de notre équipe. Donc ils s'en fichent. Ah oui. Et ça, c'est la petite musique de « On a réussi à faire quelque chose ». T'as un décalage, comment ça, à quel point?
Parce que de toute façon, sur Twitch, il y a un décalage entre le moment où tu parles et le moment où je... En fait, il y a un décalage entre ce que je stream et le moment où c'est diffusé. Il y a un décalage d'à peu près 5 à 6 secondes, parfois plus. C'est pour ça que je mets le chat dans la vidéo, entre autres. Comme ça, on peut voir à quel moment, en fait, moi, j'arrive à lire ce que vous écrivez. Hop, une petite fleur. Il y a une petite fleur qui s'ouvre. Ben, au revoir. Il y a l'air d'y avoir rien d'autre. Bah oui, attends, c'est des créatures qui vivent sur un arbre. Elles sont habituées à grimper sur les branches. Ah oui, il y a vraiment plus. Fort ennuyeux. Alors là, c'est la famille de notre pote. Je sais pas si t'as déjà ouvert des graines de coquelicot. Parce que si tu as déjà ouvert des graines de coquelicot... C'est exactement comme ça que ça fait. Il y a 30 secondes, oh là là. 30 secondes, ça fait beaucoup. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a tant de décalage que ça ? Et on va continuer de fouiller pour trouver les deux autres plumes. Ah, moins, bien. Là, elle est là, la plume. Coucou ! Coucou, coucou ! Bonsoir ! Bienvenue ! Alors du coup, il faut que je choisisse quelqu'un pour essayer d'aller voir. D'accord, c'est peut-être pour ça. Bien sûr que je peux dire pat-pat. Pat-pat, Max. Hop, on a découvert une nouvelle créature, celle-là. Alors du coup... Non, on ne peut rien faire. Une autre créature. Vous êtes transfiguré à cause du pat-pat. Ça, c'est trop bien. Bon, alors du coup, allons voir, allons inspecter ce truc. Une plume. Parfait. Bah, coucou, Tarty. Hop, on a découvert une nouvelle créature. Alors du coup, que je montre à Tarty et Max. Tarty et Max, tatatatit. Voilà. Donc on a juste commencé... Ouais, c'est ça, on dirait un peu les bruitages de la manne. On a juste commencé le jeu et du coup, on sait que... Elle, cette petite châtaigne... Il y a une graine de l'arbre qui lui est tombée dessus et qui lui a fait avoir une vision
qui en gros, avec ses potes, ils doivent sauver la graine et la planter quelque part pour refaire pousser un arbre, parce qu'il y a des espèces de trucs tout pollués qui sont en train de dévorer en fait l'énergie de l'arbre, donc du coup pour le sauver il a décidé de se replanter ailleurs. Et du coup, en fait, on essaye de partir de l'arbre, sauf qu'il y a cette espèce d'énorme créature là qui veut se déplacer, qui peut pas se déplacer parce qu'il lui manque encore des plumes. Ce qu'on cherche dans l'arbre. Et oui, c'est super mignon, les bruitages sont vraiment adorables. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Voilà. Et donc, ça, c'est la petite musique de on réussit un truc. C'est Botanicula. Alors. Et du coup... Des champignons complètement pas du tout hallucinogènes. D'accord, alors le curseur là, énorme, c'est pas moi. Hein. Donc on a découvert une nouvelle créature là, c'est l'espèce de champignon chelou. Essayons d'aller en bas. Oh, mon pote le marron. Donc ça, c'est la créature au début qui mangeait les graines. Et c'est de ça que la graine qui est tombée sur la châtaigne, en fait, a peur. Et donc, la graine, en fait, la châtaigne, s'est ouverte comme une physalis. Je sais pas si vous voyez, c'est l'espèce de tout petit fruit orange avec une enveloppe de feuilles autour. Et du coup, il s'est ouvert comme une physalis et il a pris la graine à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il fait un peu de lumière. Ah oui! Alors regardez, ça va être rigolo. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Non, ah! Allez, petit pote, essaye, tu veux pas sauter dans l'entonnoir? Non? Petit pote. Non? Oh là là. Et du coup, on a trouvé... En fait, c'est des petites cartes à collectionner et à la fin, on obtient des trucs, il me semble. Et j'adore le bruit que ça fait. Ouais, le petit pote, il en a trois. Des commandes. Non, pour l'instant, j'ai pas de bottes. Mais... Je vais en avoir un, et du coup, si vous avez envie d'avoir des commandes en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer sur Mastodon un message en me disant les trucs que vous voudriez avoir, parce que je vais utiliser un truc custom.
Oh! Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Allez, avance, mon petit pote. T'es coincé, ouais. Découvert. Le phasme. Ouais. Oh, super, une clé. Alors, je ne sais pas encore avec quoi... D'accord, ok, il en faut beaucoup. Je me rappelle plus du jeu. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc... Je me rappelle plus des énigmes. Okay, d'accord, une autre clé. Non! D'accord, c'est bon. Ok, lequel qu'on envoie? Ok, il flotte. Oui, très utile. Très utile, notre pote champi. D'accord, ok, le moustique. Aha! Du coup, ça, je suppose qu'il faudra que j'utilise là. Ah d'accord, oui. Pas content. Donc il veut pas qu'on aille par là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à cliquer ? Super, et du coup maintenant on peut monter. Il y a une clé là-haut. Alors du coup, que faut-il faire? Ah! Pardon, excusez-moi. Hop.
Veuillez, s'il vous plaît. Non. Ah. Nom, 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 l'escargot, ouais. Oui, c'est bien. Parfait. Ah. Ah, ça, c'est ballot. C'est ballot. Vous pouvez me l'attraper, là? Non. Hmm. Voyons voir. Réessayons. Ah, parfait. Superbe. Et on a découvert les petites cellules. Et on peut pas traverser. En avant. Ah oui, donc c'est ça. C'est espèce de créature, là. Ça, c'est la carte. Créature, ça va, elle arrive à manger des trucs qui sont pas trop gros. Ah, une petite feuille. Ah, une petite créature. Eh ouais, le truc moche noir bizarre qui détruit la forêt. Là-haut. Non. Les gars, je vais redescendre. Oh, il faut refaire le tour et tout. Donc du coup, on a dit par là. Par là, mais par contre on va pas aller en haut. Est-ce que ça nous fait débarquer au-dessus? Donc on va aller par là. Du coup. Ok, vous pouvez passer. Bah écoute. D'accord. Une espèce d'animal bizarre. Ah oui, ça, j'avais galéré. Oh, je me rappelle plus comment on fait. Oh, je me rappelle plus comment est-ce qu'on fait. Oh là là.
Ah oui. Regardez bien. 3, 2, 1. Au revoir, petite créature mignonne. Je crois qu'on peut le refaire. Oui. Coucou, Zotof. Salut. D'accord, tu te baladais. Oh! C'est horrible! What? C'est ça, fuir l'arbre, parce que clairement il faut. Alors, ah oui. Où est-on? Où sommes-nous? Nous sommes là, on vient d'ici. Et là, il y a le truc moche noir qui mange l'arbre. Et par ici, on ne sait pas ce qu'il y a. Ah, il y a l'air là. Et on a découvert les petites mouches. Alors... C'est de là que je viens, c'est ça? C'est ça, c'est de là que je viens. D'accord, donc il s'avérerait que les graines qu'on est en train d'essayer de sauver, enfin que la graine en question, soit une étoile qui soit tombée du ciel parce qu'elle est rentrée dans la lune. Je ne sais pas vous, mais moi ça me semble tout à fait logique. Je suis déjà venu par là. Ouais. Il manque une clé. Voilà, donc c'est ça le truc. Non, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas, il y a la petite bestiole. Donc ça, c'est le truc qui est en train de dévorer l'arbre. Là, j'y suis déjà allée. J'ai déjà récupéré les clés. Il m'en manque une. Il me manque une clé. Ah oui, ta théorie, oui, que les arbres venaient du fait que des étoiles sont tombées du ciel. Tout à fait. Il me manque une clé.
Mais y a pas de souci, hein. Juste passer un petit peu, ça va bien. Hein. Pas l'air d'y avoir de clé. Ah oui, si, là, je l'avais déjà eu. On l'avait donné. Ok. Et du coup, maintenant, il m'en manque une. Faut que je la trouve. Mais là, je peux pas parce qu'il y a cette espèce d'énorme châtaigne qui veut pas nous laisser passer. Et peut-être là. Peut-être qu'il y avait un truc là. Voilà. Voyons voir. Par là, on descend. Je vous prie. D'accord, ok, c'est pas possible de descendre. C'est bien ce qui me semblait. Faut faire le tour. Relou sur 20. Ok, allons voir par là. Là, c'est notre pote qui vient nous raconter que... En plus, il a un peu une voix de petit vieux, c'est rigolo. Ok, donc ça... Merci, je l'ai vu. Est-ce que t'aurais pas un indice sur où c'est que je pourrais trouver une clé, papy? Non. Alors, la petite carte. Là, il y a une branche, mais j'ai pas l'impression que je peux aller dessus. Et là, c'est la fin de la branche. Coucou Tarty. Tiens, bah du coup, vu que t'es là, je vais le refaire. Attention. Mais du coup, où est la dernière clé? Passe-partout de Fort Boyard. Dis-moi où est la dernière clé? Ah, quoique, je peux peut-être aller derrière les autres potes. Est-ce que je peux aller derrière là où il y avait les gros cristaux? Oui, on t'aime bien, la petite bestiole, mais... Non, par là, ça n'a pas l'air d'être possible. Hein. Là, ça fait longtemps que vous n'êtes pas croisés. Bon, alors, j'invoque le chat. Auriez-vous des idées? Parce que là, je les ai déjà récupérées. Là, je les ai récupérées. Là, il n'y a rien. Là, je l'ai récupéré. Et là, il y a une espèce de grosse... De grosses châtaignes qui veut pas me laisser passer. Et là, il y a le type qui nous explique juste comment les arbres sont arrivés, donc... Et je crois qu'on peut pas remonter. Bah, je suis en train... Tu vois, regarde, là, c'est pas... Ce n'est point accessible. On me dit clairement que je ne peux pas aller plus haut que ça. Du coup, je suis à circonspection.
Bon, surtout que lui, je peux rien y faire. Ils ont trop la flippe. Ce qui est totalement normal d'ailleurs, vu le personnage. Faire un tour, on sait jamais. Rien que dalle, absolument. Rien du tout. Mais t'es mignon. Non, j'aime juste bien le bruit qu'il fait quand je le lance, donc du coup je le refais. Puis ça a l'air de l'amuser. Tu as mystifié. Ce truc, tu es mi-mystifié. Rien à faire. Eh, hey, t'as vu les trucs qui font ping ping. Donc je peux rien du tout. Ah si. Non, juste vous approcher du truc. Ah là là. Des espèces de cerises là, je sais pas ce que ça veut dire. Alors allons voir les cerises, que je sais pas ce qu'elles veulent dire. Poigne. Ces gros trucs, les cerises. Ah, d'accord. Super. Parfait. Ok, d'accord. Il faut qu'on lui donne quelque chose en échange. Ouais, pas très sympa. Parfait. Désolé, mon petit pote. On en avait besoin. Ouah! Nous allons pouvoir poursuivre nos aventures. Tous les bruitages sont faits à la bouche, en plus, je trouve ça vraiment génial. Il y a un moment dans un des trucs. Dans un des machins sur lesquels on peut cliquer, il y a la tête des développeurs et des comédiens de doublage. Hourra ! Bah oui ! Franchement,
dans une espèce de gland géant, qu'est-ce qu'on trouve ? Une lampe de génie. Une lampe à huile. Ok, donc on a découvert le génie. Et qui nous propose chacun quelque chose. Ok les gars. Alors. Je pense que c'est la ramouille. Ai-je cassé le jeu? Ça y ressemble. Juste que je trouve le petit élément sur lequel il fallait que je clique. Diva Concerto. Ah, t'es content d'arriver pile au bon moment du coup. T'es content d'arriver pile au moment où ta scène préférée débarque. Alors. Bah oui, la créature bizarre de Noël, tirée par les champignons de Noël. Avec le fameux champignon au nez rouge. Ah non, vous noterez qu'il y a un sapin de Noël dans un arbre. J'en peux plus. Voilà, et enfin notre pote qui demande ce que c'est que ça. Mmh.
Ah, oh, super. On peut avancer. D'accord. Ça, c'est ta tête. Ah oui. Par contre, je vous préviens, le jeu au début, il est très 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 mignon et que mignon. Mais au fur et à mesure, les créatures, là, les petits machins noirs, ils deviennent de plus en plus effrayants. Et l'ambiance est un peu moins sympathique, dirons-nous. Ça reste toujours mignon, j'aime bien. Mais il y a des scènes qui sont effrayantes, voilà. Voilà ce truc. Donc là, on en est arrivé à un endroit de l'arbre où les créatures, on voit, elles sont juste là pour pomper l'énergie de l'arbre et l'arbre est tout mort. Les feuilles sont plus vertes du tout. Voilà. C'est tout. C'est tout la catastrophe. Ah non. Reviens. Hihihi. Non, rien. Ah! Là, on est vraiment en train de mourir, quoi. Ouais, notre pote, l'escargot. Pas du tout aller là-bas. Bah elle est là. Quoi, elle est là? Eh bah tu sais quoi? Ça tombe bien. Regarde. La châtaigne qui pleure. Elle a perdu ses petits marrons. What? Ah, du coup si je fais ça. Mais je peux pas cliquer quand tant qu'il y a un truc en mouvement. Ah oui, on va. Non. Je ne sais point. On verra. Je fais de la musique. Oui? Non, ok. Eh ben écoute. Mais...
La petite créature qui lui a mangé l'œil. Une petite araignée qui fait absolument pas peur. Pour l'instant, j'ai rien. Il va falloir que je trouve des trucs. Je reviens ici. Okay. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Faut que j'arrive à remplir l'entonnoir grâce à la mouche bourrée. Vous avez sûrement déjà vu Lulu au bar. Peut-être que ça ressemble à ça. Moi, je l'ai pas vu pour l'instant. Je peux pas me dire, mais peut-être que ça ressemble à ça. Ah, ça y est, un pec. Non. Ah. On a récupéré un petit pote. À quoi peut bien nous servir le petit pote ? A priori, pas ça. Est-ce qu'on était allé là-haut? Ah oui. C'est juste la branche qui fait un tour complet. Bah oui. Parce que... le fameux arbre à poisson avec sa figue sèche pêcheuse. Alors, ok, tu veux un ver de terre pour pouvoir pêcher. Soit. On va voir si on peut trouver ça. Oh là là!
Je l'avais mis dans la playlist du bureau, mais personne n'a voté pour. Il trouvait ça trop nul. J'étais triste. Ok. Ok, a priori, il n'y a pas de nous. Ok. What? Ah oui. Alors vous voyez là en bas là, il y a des petites pousses. Là c'en est une, là c'en est une, là c'en est une. Et si je verse de l'eau dessus. Elle pousse. Parce que l'eau ici a une physique très bizarre. Ok. Alors, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce que t'as fait? D'accord. Donc, si je pousse ça... On fait encore deux. Ok. Donc a priori, on peut pas l'amener. Ils ont ces trucs. Si je t'enlève toi. Simplement. Non, ok. Parce que j'essaie de l'envoyer là-bas.
Ah là, c'est la galère. Parfait. C'est tout? Ou il y en a encore? Ça devrait être tout. Alors, regardons la carte. On va partir à gauche. Ah ah! Voilà. Un verre de terre. Pour notre pote. Qui pêche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oh bah! Un marron. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, comme la châtaigne, enfin la physalis, à l'intérieur d'elle, elle a une espèce de graine d'arbre magique, là, ça a priori lui confère parfois des pouvoirs un peu random. Parfait! Retourne voir la personne à qui tu manques. What? Mon pote. Ah oui, bah oui. Le rider de poisson. Non, non! C'est pas nous. Non. Oui, bah c'est ça, sois content. Alors... Ah bah oui. Regardez. Youp. Au revoir l'araignée. L'araignée qui dort. Poussez-vous. Oui, c'est moi qui les éjecte en cliquant dessus et en les... Hop. Ok, c'est bon. Le marron a probablement rejoint ses potes marrons. Mais on peut pas y aller la bonne... Ok. Ça nous fait un marron sur... Deux marrons sur trois. Le retour de la créature qui saute. Je crois qu'il y a un truc à faire avec cette petite créature, mais je me rappelle plus quoi. Thank you.
Alors lui, il nous a déjà donné notre pote. Donc, il faut peut-être qu'on retourne par là. Non. D'accord, on peut pas redescendre par là. Où est notre châtaigne? Il nous manque un marron d'Inde. On va repartir. On va faire comme d'hab. Exploration. Ah oui. Tiens. Oust. Fuis voir. Horrible coléoptère. Ok, je sais pas si vous avez vu, mais le marron, il est mangé. Il a été mangé par un... Ah d'accord. Ça va, c'est pas trop inquiétant. C'est pas trop inquiétant. Alors. Ah oui. Parfait. On fait tomber des glands comme ça, les patates. Voilà. Et les manger. Et du coup, on peut sauver notre pote, le marron d'Inde. La beau créature qui est tirée entre deux branches. Et ben on va venir avec vous, bien sûr. Pour fuir cet arbre. Mais oui, faut qu'on descende de l'arbre. Donc voilà, il faut qu'on trouve des dos du haut pour pouvoir actionner ce truc-là. Mais beaucoup, en très grande quantité. Ok. Donc on va explorer le village des marrons d'Inde. D'accord. Ok. Pas... Non, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Oh.
Je suis pas très forte au jeu de logique, hein. Surtout à cette heure-là. Alors. On fait une tête d'escargot. Un corps de grenouille. Ah, et des pattes de dos du haut. On a trouvé le dos du haut. Reste de souffler là. Raté. Ah, alors les pattes du dos du haut, ça sera le bleu vers le haut. Attendez, je vais prendre de quoi noter. Un petit papier. En B1. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire fonctionner ce mécanisme ? Parfait. Génial, je l'ai eu. Par hasard. Allez, viens avec nous. Elle est là. Regardez comme c'est mignon. Ils font un pendule exprès pour que ça fasse de la neige qui tombe. Ils ont fermé la salière. Popped, le remplisseur de salière à neige. De duo avec nous. Et bien sûr, des pingouins dans un arbre. Quelle question. La gravité n'existe plus. Un gigantesque pingouin. On aurait pu croire qu'il y avait une infinité de pingouins dans cet igloo, mais non. Alors, on va aller là. On va essayer, on va voir. No balls. Ok, d'accord. Alors, celui-là n'est pas très bon à ce jeu.
Ouais, j'ai gagné un point. C'est un simili pong. C'est ça, rage. Le chant mimi plutôt que le chant pipi, oui. Tiens, voilà. Je suis trop forte au volet. C'est ça, oui. Rage. Le pauvre. Le pauvre. Mais il faut pas pleurer. Oh là là. C'est pas grave de perdre. Le champignon-pong. Ah. Donc ça, ça t'aide des devs. Et des comédiens de doublage. On en a un arbre. Ah, fais le tour de la bobette. On va aller là. Ça va. Un petit Franken marron. Effectivement, le coucou. The fuck. Ça va, il est pas trop excité le scientifique fou. Enfin qu'on revienne là. Ah bah oui. Il y avait beaucoup de trucs. Youhou ! Eh bien, le dojo. Ok, on a trouvé quelqu'un qui était coincé dans un frigo. C'est pas trop inquiétant, ça va. Non. Alors, on va sortir. On trouvait plein de trucs, c'était déjà bien. Oh non ! Notre dojo ! C'est pas vegan.
Tiens, mange plutôt ce type qui était coincé dans un frigo, non? Ok, inutile. Une deuxième pièce. Alors, on est là, elle est là. D'accord, ok. Bizarrement, le marron n'aime pas qu'on le réveille. Que ça, il faut que je fasse quelque chose avec. On reviendra après, peut-être qu'il faut qu'on débloque d'autres trucs. Alors, on va aller là. Non, on peut pas le récupérer. La divinité locale n'est pas récupérable. Elle est là. Il y a quelqu'un qui est en pleine méditation. Un marron en pleine méditation. Oh, c'est mignon. C'est génial. Qu'est-ce qu'il a trouvé, le petit putain? Super. On a trouvé un truc. On va aller là. Ce qu'on n'a pas encore fait. Ça va, c'est pas trop creepy. On va sortir de là tout de suite. Mais écoutez, vous savez quoi? Ça tombe bien. Ok, tout ça ne sert à rien. Ça, on l'a fait. On va faire ça. D'accord, le chef cuistot. Je fasse avec cette pauvre salière. Mais si, allez, reviens. Viens avec moi. On va essayer de réveiller notre pote, non?
pas réveiller notre pote. Qu'est-ce qu'on a? Rien qui soit utilisable. Alors. Ok. Donc peut-être qu'il faut que je le secoue très violemment. C'est ça. Hop. Profitons du fait que le chef est occupé. Ensuite, celle-là. C'est Zekora, si vous connaissez. Ok, soit. Vous avez vu, il y a un morpion là aussi. On repassera. Ah bah tiens. Une machine à faire des nuages. Hop. Viens par là, mon petit canard. Hop. Ah oui. L'antre des gens pas du tout défoncé. Parfait, un dodo. Ça va, c'est pas trop creepy? Ça va. Le bad trip. Ok. Le very bad trip.
le bad trip. Et la Physalis, qu'est-ce qu'elle voit? Du coup, a priori, aller par là, c'est pas possible. On en a combien? Il nous en manque encore 5. Le pauvre petit marron qui pleure, on l'a fait. Ça, on l'a fait. À faire ici. Bon, là, je sais pas ce qu'il faut faire. Ici, j'ai trouvé une pièce et un dojo. Ah, il faut toujours que je trouve quelque chose d'autre à manger. Ah oui, et ça. Je sais pas ce que c'est. Forcément. L'attraper pendant qu'il dormait. Oui, c'est bon, je me sauve, madame. Ah. On vous offre une nouvelle divinité. Une espèce de pain d'épices en chocolat.
Alors. Il nous faut éventuellement un truc à manger. Il me faut... Il y avait un endroit où c'était creepy. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est quand même moins creepy en vrai. Ah. Hop. Avec nous, le dodo. Il nous en manque encore 3, je crois. 2. 2 seulement. On l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Le professeur Franquenmarron. Cette personne qui veut nourrir ses petits. Ce qui n'est pas très étonnant. Où est-ce que je peux trouver ? Parfait. Une patate. Hop. C'était ici. Regardez. C'est végan. Parfait, il nous en manque plus qu'un. Du coup... Du coup, ça fait déjà un petit moment que je stream. Je pense que je vais m'arrêter là. Et on cherchera le dernier dodo, du coup, la semaine prochaine, ensemble. Parce que je sais qu'après, on s'en va de l'arbre, donc c'est un événement qui est un peu important et il se passe plein de trucs. Donc je préfère m'arrêter maintenant plutôt que de me retrouver dans un tout nouvel univers. Merci pour le chat, pour la discussion et tout, c'était chouette. Hop, on va faire une nouvelle sauvegarde. Parfait. Et on va quitter. Du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont passées. C'était chouette. C'était bien chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu. Bonne nuit à vous tous. Je mettrai la vidéo en ligne lundi. Et j'espère que ça vous a plu.
Grrrr.